Et nous sommes de retour pour plus de God of War, Ragnarok. Attention, flashbang. Ok. On continue. Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts, que veulent en faire les elfes noirs? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Attends, où est-ce qu'on va? Il y a de la pierre de nuit là-haut. Oh! J'en vois aussi petit... Ah. Qu'est-il arrivé à Kvasir? Étripé par son public. Enfin, un membre de son public. Plus exactement, Thor. Évidemment, des créations du sommeil attendant d'être explorées, des visions de Farfadet qui n'ont nul autre pareil parcouru ces fantaisies sans jamais vous en lasser, car vous leur découvrirez un potentiel infini. Ça rime pas tellement, c'est quoi? C'est en trois vers? J'en sais rien. Je dis des choses, je sais pas de quoi je parle. Pourquoi on a de la pierre de nuit ici? Qu'est-ce que je fasse avec? Bon, y a peut-être rien à faire avec en fait. Oh, cristal là. On va pouvoir trouver un meilleur angle. D'autres elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Okay. Ça a détruit la protection. Hey oh! Mes amis, salutations, nous venons en paix. Tire! Sphère mystique suiveuse des elfes blancs. Reviens. Les lancers, c'est L2 R1. Ah ok. Ça doit faire mal, ah la pute. Là-haut, ok. Ah, je voulais faire ça en fait. J'y arrive pas. Maintenant je comprends pourquoi ils se battent. Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière, mais les elfes blancs veulent les utiliser. Parfaitement résumé, oui. Mais alors, qui a raison? C'est rarement aussi simple. Et ce n'est pas à nous de trancher. C'est un conflit elfique. Je l'avais dit quand nous étions venus à Alfheim. Je sais. Ça va, ils sont sympas à combattre. Moi j'aime bien, ils sont... Je sais pas, c'est égal en fait. Il y a un coffre là-bas. Attends, ouais non mais attends.
Là, on va pas vers le coffre, là. Oh, mais j'ai loupé des choses, en plus. De l'ensemble. Non, 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 non. Je pense qu'il faut continuer. Ouais, non, je pense qu'il faut continuer. Au pire, on y reviendra, mais bon, ça m'embête. Il y a peut-être des ponts qui vont se créer, parce que c'est un peu chelou quand même. Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière. Des fortifications. Oui, ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes. Ouais, je vois bien. C'est quoi ça? Oui. Ah, ok. Il est où le cristal à détruire? Il est là. Peut-être un peu haut là, non? Attends. Je me suis loupé. Bah non. C'est bizarre parce que la façon dont il se tourne, j'ai pas l'impression que... Pourquoi ne pas le maintenir en position ? Ah, ok, comme ouais, ouais, depuis le haut comme ça là, ok, ça marche. Voilà. Excellent. Poursuivons notre ascension, d'accord? Ça marche. Ça c'est quoi ça par contre? Pour revenir en arrière? Ça pourrait nous intéresser. Oh. What? Oh, bien. Tu manies habilement ta hache, Kratos. J'avoue que là c'était un peu au hasard. J'avais pas compris que ça allait faire ça. Ouh, poignée de crâne. Alors, c'est quoi? C'est pour la hache ou pour les dagues? Talisman de vigueur. Ah non, c'est un talisman? Une relique? Alors, confère un accès de rage et étourdit les ennemis à proximité, améliore pour augmenter la quantité de rage remportée. Si celle qu'on surnommait autrefois la pourfendeuse de dragon a perdu de sa superbe, de nombreux ennemis tomberont encore sous le coup de Gram avant la fin de son histoire. Alors, je vais être honnête, c'est des choses que j'oublie presque tout le temps à faire. Donc, faut que je prenne l'habitude. Je crois que dans le premier jeu, j'avais le même problème, c'est que on a beaucoup d'habiletés entre les reliques genre de la hache, les reliques
Des dagues, plus les talismans et tout. J'oublie. J'oublie de faire les choses. Mais ouais, ça c'est pas mal ça. Ah mais c'est avec de l'expérience aussi, j'avais pas fait attention. Donc ça remet de la rage et étourdit les ennemis à proximité. Ça peut-être, ça m'intéresse plus que l'autre. La rage égale immortalité. Faut se dire ça. Oh non. Au-dessus de toi, regarde. Oui, mais bon. J'arrive pas à bien cibler. Voilà, passe. Cauchemar noir. Les cauchemars noirs doivent leur nom au fait qu'ils ont la capacité d'aveugler temporairement leur ennemi, ce qui est fort fâcheux. Quelques coups bien placés à distance, ils ne devraient plus nous envoyer. Tu vas voir un peu. Ouh, c'est un régène. C'est vraiment un régène de... Ah, intéressant. Et intéressant surtout que... En théorie, je peux le faire quand je veux. Reprendre. En combat, hors combat. Donc du coup... Putain, c'est lui qui m'a fait peur. Oh mon dieu! Derrière toi! On va rien dire. On va rien dire. Mimir, est-ce que tu comprends ces poèmes? Quand on s'en donne la peine, on trouve toujours un sens. C'est à l'interprétation de chacun. Le jeune garçon au pinceau sur les murs trouve compagnie. Ses créations des esprits rendent pour tout le monde plus beau la ville jadis endormie. Déborde aujourd'hui de vie, celui qu'on porte en sauveur n'est qu'un bon dessinateur. Son but, sauver son quartier, menacé de destruction, son arme, l'imagination, les couleurs du nuancier. Magnifique. J'ai rien compris du tout. On n'a plus de vie. Par contre, ça, j'ai bien compris qu'on s'était fait défoncer la gueule et qu'on n'a plus de vie. Ça va. J'ai bien compris ça. Putain. Ouais, c'est reparti. Je vais vous laisser. Viens pas. Oh la vache. Stop. Oh, oh. Choqué. On n'a rien dit. On n'a rien vu. Ouais, la vache. Truc qui fait mal, quoi. On n'a strictement rien vu. Je vais vous laisser. Viens pas! Lâchez. Oh putain, deux! Garde-toi!
Ouais, c'était pas top top. J'aime bien parce que quand je... Oui. Quand je fais mon... Oh, t'as vu comment il saute ? Non. Mon talisman, là. Il invoque comme s'il avait une épée et tout. C'est sympa. Kratos. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une... Un coffre, là. Ouais, j'ai pas... C'était pas top top, hein, le combat. Un peu de la merde. Ah, ben voilà. Oh merde. Truc à côté de moi. Ah putain, c'est toi qui fais... Ah, il a l'épée en fait. C'est presque, c'est 2 minutes de base. Nous on l'a descendu à 117 secondes au lieu de 120. Par contre là, alors à moins que avant. Vous voulez pas m'aider à... Au lieu de me suivre bêtement, vous voulez pas m'aider à comprendre comment on récupère ce coffre, non? J'imagine que non. J'imagine que c'est que à Kratos de piller, c'est lui le pilleur, c'est vrai. J'avais oublié. Là. Retrouvons-nous de l'autre côté. Ok, ça fait quelque chose. Je crois. Ça sert à quoi ce que je viens de faire? Comment il saute? J'en ai rien à faire de comment il saute. Qu'il faut juste être un peu plus rapide. Un peu plus rapide par rapport à quoi? J'ai pas compris là. On va avancer. Oh! Attends, non. Aussi un coffre et de la lumière. Ne nous a pas vu. Il y a de la pierre de nuit au sol. Pas mal. Nous pouvons continuer par là. C'est quoi ça? Ah, attends. On peut faire ricocher notre hache pour faire des étourdir les ennemis, c'est cool. Bon. Ouh, c'est un labyrinthe le truc, hein. Un peu. M'embête. J'ai l'impression. Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire.
Frappe l'orbe lumineux. Sans déconner. Putain, ils me font pareil, je crois. Je crois qu'ils me font des ricochets avec leurs bombes. Je l'ai vu aller sur la droite et après aller sur moi. Oh là là. Ça va, c'est pas trop compliqué, ça va. On va y arriver. Dieu. Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire. Attention à l'ordre! Derrière toi, regarde! C'est bien joué. Cible éliminée. Ah, sprint et R2. C'est pas grave. Je voulais faire ça, mais... Ah, j'y arrive pas, en fait. Comment il crée ses ponts. Regarde cette statue. Cette... Je les ai vus sur les elfes aussi. Vous disiez quoi? Ok. On va faire un pont, t'inquiète. Voilà. Oh, les cristaux créent toujours des ponts de lumière. Et les elfes blancs les portent. Malin. On y est presque. Je m'en charge. Je me demande s'il ne prend pas goût au vandalisme. Bientôt vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer? Il prend goût au vandalisme. Attends, c'est où c'est qu'il y a le coffre là. Ah mince, c'est vraiment pas facile. Bon, au moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez? Ça paraît plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. J'avoue. Oh. Ok. Ah, la cloche là que je fais sonner, c'est sûrement une, ouais. Ok. Pourquoi toujours créer ces épreuves irritantes? Tu le sais mieux que nous, mon frère. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu les Nords. Je n'en ai pas envie. J'avoue. Donc on a un deuxième ici, on peut faire un ricochet. Donc si on peut faire un ricochet comme ça, j'imagine que l'autre il doit pas être loin. Parce que ça a l'air d'être rapide. Ok. Ah,
Yes. Yes, yes, yes. Bon ben voilà, du coup on a tout fait. Ok. Il me manquait plus que ça en fait, je crois bien. On peut avancer. Et ça recommence. Confronte de lumière en approche. Ouais, ta tête. Voilà. Non. Oui, mais moi aussi. Merde. Qu'est-ce que je fais? Je recommence ou... Vas-y, on va se faire encore une fois. Oh, on était bien là. Qu'est-ce qu'ils font mal, les machins? Les cauchemars. Les cauchemars, c'est une atrocité. C'est un cauchemar, les cauchemars, ok? Genre, sans ça, ça se passerait nettement mieux. Et ça recommence. La même chose là-bas. Okay.
pas fini. Si, c'est fini. Ouh. Plus lumineux que dans mon souvenir. Pas mal. Là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est bien passé. Il y avait un passage aussi assez sympa. Il faut que je voie un coup. Ah, bah, il y a un corbeau. Il y avait un passage aussi sympa dans le premier, ici. Où en fait, on allait récupérer la lumière pour charger du coup notre Bifrost. C'était ça, je crois, notre objectif. Et pendant que nous on était dans la lumière, en fait il s'est passé plusieurs heures, je crois. Enfin, je crois que c'était ça. Et Atreus, en fait, il est resté dehors à combattre pendant plusieurs heures les elfes. Genre, quand on est ressorti, il y avait plein de cadavres. C'était assez impressionnant. Une autre porte. Il y a de la pierre de nuit sur le bouclier de la statue. Et il nous faut un autre angle. Est-ce que les combats entre les elfes cesseront un jour ? Si Freyr n'avait pas abandonné le royaume, la paix serait établie. Peut-on vraiment le reprocher à Freyr ? Cette guerre a démarré bien avant qu'il n'arrive. Mais il aurait pu guérir cette terre et enrayer cette guerre, n'est-ce pas ? Il a fait un choix. Le mauvais. Pour Alfheim, peut-être. Mais pas nécessairement pour lui. Eh bien, je suppose que nous sommes tous en droit de suivre notre propre voie. J'ai vu le miroir. Ouais, je crois que, je vais être honnête, cette relique, je crois qu'on va vite l'augmenter. C'est de l'expérience qu'il faut. J'avais dit qu'on gardait pour la rage. Ah, il nous reste plus que 2000. Mais cette relique, ouais, elle va être vraiment utile. C'est marrant, c'est quoi ça? Ah, okay. Attends, il est où exactement le cristal à détruire? Parce qu'en fait, je fais ça, mais... C'est pas ça, là? Si? Non. Non, c'est celui-là, là. À bouger. Non, ouais, non, mais là du coup on peut pas. Ok. Non. Oh, ça aussi ça en est. D'accord, oui, tout le bouclier est pas à l'intérieur en fait. La statue coince au niveau de l'aile. Comment ça, elle coince au niveau de l'aile? Ah! Bon. Arrête de me dire des choses qui me perturbent plus. Oh, ça y est, je vois. Les ailes sont reliées derrière. Genre là, il peut pas tomber. Non, il peut pas tomber le truc. Les ailes sont reliées derrière. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me chantes? Atreus.
Oui, c'est le cristal, il est là. Je comprends rien, Atreus, aide-moi. Là-haut. Là-haut. Ah, on peut casser. Ok, d'accord, on peut casser les ailes par là. Ça a l'air bon. Ouais, mais il n'y avait pas de paroi, je crois. C'est pour ça que j'étais un peu confus, en fait. Il y avait la paroi sur la première aile, pas sur la deuxième. Ah, putain, par le haut. Lors de notre dernière visite, nous avons tué le roi des elfes noirs. C'est malheureux. Je me demandais si c'était... Nous devions nous défendre. Mais en mourant, il nous a dit que nous avions aidé le mauvais camp. Je vois. Aïe 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 aïe, compliqué tout ça. Tu entends toujours une créature blessée, Atreus ? Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir, une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. Oui, parce que dans le 1, en fait, il y avait les elfes noirs qui attaquaient les elfes blancs. Donc du coup, Atreus et tout ça, bon, c'est un enfant, quoi. Genre, on aide ceux qui se font attaquer, en gros. On est plutôt contre les assaillants à chaque fois. Donc c'est ce qui s'est passé, mais l'elfe noir nous a expliqué qu'on était... En fait, on avait pris part du mauvais côté, du coup. Au final, ça s'est solvé que c'est pas si faux. Là, la salle centrale nous conduira au sommet, quand nous aurons franchi cette énième porte de lumière. Alors, il est où le cristal ? Il est au-dessus. Ok. Je vois que il y a une pierre de son là-haut. C'est du plus bel effet avec cette pierre de nuit. Les elfes blancs sont doués pour la décoration. Ouais. Sans limite. De quoi parle-t-on ? Pouvoir ? Richesse ? Ambition ? C'est un peu vague, non ? Je dois admettre que la beauté de ce temple est inégalée dans tous les 9 royaumes. Et dire qu'il y a encore 2 hivers, tout ceci était dissimulé dans l'obscurité de la substance elfique. C'était certainement ravissant, mais tout de même, le marbre blanc et les moulures dorées ont bien plus de charme. Ok, il y a de la pierre partout. Ça marche. Pardon. Ah. Elle est du mauvais côté. Elle est du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. Vas-y. Je crois qu'on peut... Il va... L'angle m'a l'air bon, Kratos. Ah, carrément. Putain. Bah, t'es utile, en fait. Beau travail. Y
Pas de quoi. Merci. Ah, la lumière d'Alfheim. C'est magnifique. Rien. Qu'y a-t-il ? La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies. Liées par des forces plus anciennes, Coda. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Quand père est entré dans la lumière, il a tu dit que... Tu es entré dans la lumière d'Alfheim ? Oui. Pourtant, tu es là, saint d'esprit et absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu ? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Le triptyque de Groa nous attend. Ah, donc j'aime. Tu as déjà rencontré Groa ? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient... difficiles, si je puis dire. Je sais plus ce qu'il a vu dans la lumière. Est-ce qu'il a vu sa femme ? Je me rappelle plus du tout de ça. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai... entendu quelque chose. Père, elle... elle n'est plus là. Oui. Continuons. Triste, Kratos. Nous y sommes presque. Ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... Tyr ? Oui ? A-t-on aidé le mauvais camp ? Es-tu certain que c'est la bonne question ? Quelle est la bonne question ? Y a-t-il un bon camp ? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre ? Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. On défonce tout le monde. C'est ça, là, le résumé. Nous, on fait ce qu'on doit faire. Et si jamais un elfe blanc ou noir se met en travers de notre chemin... Il va goûter de la hache. Peut-être qu'on la voyait, sa femme, dans le 1, je me rappelle vraiment pas. C'est joli. La dernière fois, on avait combattu... Oh, je me rappelle de cet endroit-là. On avait combattu donc l'elfe noir, c'était un général ou je sais plus trop quoi, le chef quoi. Et
peut-être maintenant on va combattre un elfe blanc. Oh, oh la vache. On était déjà allé là? Ah, ça me dit quelque chose, je crois, ce jardin du haut. Ah non, mais il a vraiment bien raison, hein, Atreus, quand il dit qu'on était passé par le haut. C'est vrai, hein. C'est vrai, je me rappelle de ça. Oui, 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 nous, on était allé par le haut et il y a un lac. Ah, oh, putain, c'est vieux tout ça, la vache. Coucou. Tu crois au destin, Sindri? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Waouh. Putain. Bah ouais, non, c'est vrai. Parfait. Y a rien de drôle, y a rien de... à redire. Hé, hey, Sindri. Ta forge était de l'autre côté de la fresque la dernière fois. En voilà un qui a l'œil. Je suppose que les elfes blancs préféreraient la voir de ce côté-ci. Ils ont un certain souci de l'esthétique. Pour être honnête, je n'en sais pas plus que toi. Enfin, à forge donnée, on ne regarde pas le soufflet. Quel bazar. Allez, bonne chance. Alors... Oh, non, armure. Spalière d'éveil spirituel. Des attaques portées avec l'éveil de givre... Et le coup de fouet ardent, donc c'est quand on maintient les triangles en fait, ont une chance modérée d'octroyer une grâce runique. Cette armure est parfaite pour le combat et l'apprentissage. Elle est imprégnée du pouvoir runique de ses anciens porteurs. D'octroyer une grâce runique. Comment ça, une grâce runique? Augmentation des dégâts runiques. Genre, je crois que ça augmente les dégâts de runes. Une grâce runique, c'est ça? Ouais, là, on gagne en pouvoir runique énormément. On peut... C'est 2800 pour la construire. 1800 sûrement. Putain, c'est vachement bien, en fait. On peut changer facilement d'équipement, quoi. Parce que là, on va construire directement un truc niveau 3. Donc on pourrait l'utiliser. L'attaque runique inflige plus de dégâts aux ennemis sous l'effet d'un état. D'accord. Je pense qu'on peut construire... Oh, vendre. J'ai des trucs. Tribut de Afrair et poème de Xad. Ok. Apporter des artefacts. Oh, ah. Mais ce sera magnifique dans ma réserve. Non, on peut rien augmenter. Ah, ça par contre si. Donner un accès de rage à chaque parade. Celui-là ou. Non, celui-là. Ça devrait faire mal. Parfait. Un peu de stats en plus. Ah, cuir brut, autant. Pommeau de givre fortifié, donc la défense au risque de coup déstabilisant. Change président de choc. On force à chaque élimination à la hache. Nous on a quoi les dégâts de brûlure? Là on a... Oui...
C'est tellement abusé ces augmentations là sur les trucs de base. Incroyable. Juste incroyable d'avoir des stats de tous les côtés comme ça, c'est vraiment top. Bah, je crois qu'on peut pas faire grand chose en fait. Je sais pas, on a 12 800, qu'est-ce qu'on fait? On les balance? Moi je dirais pourquoi pas et on craft l'armure là, comme ça on l'a de côté. Fabrication. Yes. Ah, c'est peut-être ma plus belle pièce du jour. Et cette fois, ne va pas me l'éclabousser, hein. Ouais, ouais. Attends. On verra ça. Parfait. Je les ai pas mis, hein. Je garde ce qu'on a pour le moment. Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver, méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Oda respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde, tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est nouveau. Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Évidemment. Oda se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Oda. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr. Ouais. Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais on vient de te voir. Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler.
On n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Alors, qu'avez-vous vu ? Beaucoup de choses. C'est compliqué. Roi a menti à Odin. Le Ragnarok n'est pas la fin de toute chose. Seulement la fin d'Asgard. Seulement la destruction d'un royaume entier, hein ? Sans parler de ses citoyens, de sa faune, et de ses innocents ignorant tout des méfaits d'Odin. Assez. Nous aurons le temps de parler quand nous serons rentrés chez nous. Ouais. Ça devient compliqué tout ça, hein. Du coup, on s'en va ou... Bon, on s'en va. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Bombe lumineuse, attention! Parce qu'on leur casse le masque, je crois. Parce qu'à chaque fois que je leur tape dans la tête, il y a un truc qui tombe. Je crois que c'est le masque. Et j'arrive pas à faire ça. J'ai du mal à... Ah, c'est parce que je reste pas assez appuyé sur l'arrière, en fait. C'est pas le mouvement d'aller en arrière, en fait. C'est pas le dash qui permet de faire cette attaque. C'est vraiment le joystick, en fait, vers l'arrière. Faut maintenir le joystick vers l'arrière. Bon, ça serait déjà... Ce sera plus simple. Tiens, j'aurais pu faire ça. Vache. Elfe blanc. Ces elfiques manient leur lame avec une grande dextérité. Tu devras sérieusement te concentrer si tu veux sortir indemne d'un duel avec l'un d'entre eux. Essaie donc de parer leur ruée tranchante pour les exposer à une contre-attaque. Bah non, on peut pas vraiment parer. Ah, nous on a un gros bouclier. Les elfes blancs, ça donne quoi? Expérience, ok. Ça marche. Mais là, on est en train de sortir. Pourquoi ils nous attaquent? Laissez-nous partir. Vous voulez pas qu'on soit là? Des trucs à récupérer. Oh, vache. Au-dessus, mon frère. Viens pas.
pas. Je faisais des tests avec ça. Un peu spammé. Père, par ici. Tiens pas. Putain, y'a pas... Oh mon dieu. Yalfa ! Je viens de me rendre compte, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut cibler différentes parties du corps ? Parce que là j'ai ciblé... Cibler les pieds. Ça m'aiderait. Okay. Ah, tu veux... Okay. Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Ouais, ouais. Oh, c'est quoi ça ? C'est pas les bombes ? Non. Yalfa ! Mon frère, ce petit salopion va exploser ! Qu'est-ce qu'elle pue ? C'est pas ça que je vais faire, mais... Nous devons avancer. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien ? Concentre-toi. Par ici. Très bien. Derrière toi, attention. J'essaye de viser tout ça, de faire des différences, mais... Ouais, c'est compliqué, hein. Assez. Oh mon dieu, Alva. Appuyez deux fois. Oui, mais... D'accord, super, bien joué. On peut, ok. Ah, ma vie, bordel. Ah ouais, d'accord, il faut absolument le faire, en fait. D'accord, bien joué. Faut absolument faire le contre et tout. Il y a strictement rien qui bloque, en fait, qui l'empêche de faire son attaque de lumière. Là. Bah, je préfère combattre les elfes noirs, hein, putain. Là, je me prends des flashbangs dans la gueule tout le temps, c'est ouf. Elle m'a touché pendant que... Oh là là. Tiens le feu.
Utilise ton bouclier, mon frère. Quelle force! Merde. L'esquive, bordel. Utilise ton bouclier, mon frère. Pas mal. Tiens fort. Non, sérieux. J'aurais dû peut-être l'utiliser, la pierre. J'aurais dû peut-être utiliser la pierre là par contre. Honnêtement. Ouais. Non, là, j'aurais dû la faire. Parce qu'on avait plus ou moins bien joué. Faut que j'utilise les lames peut-être. Je sais pas si ça m'aiderait de. Les lames. Ah, comment? Ok, elle prend grave de dégâts quand on fait ça. Quasiment. Oh mon dieu. Ok, go. Go la pierre. Ok. J'aurais dû faire ça en fait. Yeah.
utilise ton bouclier, mon frère. Pousse-toi. Oh la vache, Alva. Putain. Ok, par contre, j'ai vu la différence de dégâts en fait. Genre quand on le gèle et après quand on tape avec les lames et vice versa. Genre si c'est gelé, qu'on tape avec du feu et si c'est brûlé, on tape avec du gel. Les dégâts, c'est genre 3 fois ou 4 fois. Les dégâts, donc ouais, non, ça aide énormément. Donc, il faut que je prenne l'habitude pour les boss. Il faut que je prenne complètement l'habitude de faire ça. S'il n'y a pas, bien sûr, un problème avec la défense élémentaire, mais ouais, non, c'est vachement bien. Il y a de cela plusieurs hivers, nous avons vaincu le roi des elfes noirs, Svatralfur. Il semblerait qu'une nouvelle gardienne du temple de la lumière ait été nommée en son absence. Son habileté à l'épée et sa capacité à contrôler son corps dépassent tout ce que j'ai pu affronter jusqu'ici. C'est elle qui nous a agressés, mais Atreus se demande une fois de plus si nous n'avons pas aidé le mauvais camp dans la lutte qui oppose les elfes blancs et les elfes noirs. Un seul camp n'importe que dans ce conflit, le nôtre, c'est vrai. Tyr, est-ce que ça va? Non. Un nouveau bouclier, enfin un rond de bouclier, confère de la grâce renouvellement à chaque interruption d'attaque signalée par un double cercle bleu. Ah, ça peut être intéressant ça. On perd de la vitalité par contre. Non, je préfère le rond pour le moment, celui-là. Je crois que Tyr, il a dû tuer l'elfe, là. Du coup, il s'en veut. Mais ouais. Ah merde, je peux plus taper. Je voulais faire des tests. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Tout se passera bien, Tyr. Tu as vu ce qui nous attend? Il utilise... Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre. Et me voilà traînant une innocente elfe et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. C'est ça. Vous semez les morts par centaines. C'est votre vrai. Voix n'est que peine et souffrance. C'est ça. Ouais, il traîne le corps pour faire le... Non ! Pour faire le pont. Atreus ! Malheur ! Elle s'est coupée... Bien bon ! Par ici ! Coupée Michel. Le pied, quoi. Tu es blessé. Non, père. C'est bien parce qu'il le laisse parler à Tyr. Tyr. Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Kratos, il se... Genre, il prend du recul, en fait, par rapport à la situation, vu que c'est son fils qui voulait... faire tout ça avec Tyr et tout.
J'aime beaucoup là, ce qu'ils font. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Alors que sommes-nous censés faire ? Toucher ? Et attendre ? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Ouh. C'est une belle armurerie, ça. Eh, tire ! Ouais, non, non, t'es retraité, toi. Hein. Bon, ben ça y est, on est sorti. Ah, on est dans le désert, sûrement. On va être dans le désert, maintenant. Dans la partie désertique. On y arrive. Wow. Un assaut d'elfes noirs. Quel heureux hasard. J'en ai assez des elfes. Ils peuvent pas nous laisser tranquilles. Oh mon dieu. Flanc gauche. Un autre elfe noir sur la gauche. La bombe. Quoi ? Ah non, c'est toi, putain. Oh mon dieu. Merde. Putain. Ah, j'ai merdé comme un débile. Bien merdé là. Eh ben. Ça c'est classe. Ce que je fais jamais. C'est cool, on est en plein milieu d'une guerre, on dirait les floods contre les élites. Sur ta gauche. Oh mon dieu. Bon ça va, maintenant on peut résister ces attaques. Oh!
Yeah, doucement toi. Ah, je me demande si on peut faire pareil contre les elfes noirs à faire... faire rebondir la hache. Ah, c'est cool. C'est la panique. C'est bien. C'est le chaos. Ne traînons pas. M'énerve aussi. Attention à gauche. Oh mon Dieu. Bien. Merde, mais c'est pas ça que je fais. Bref. Ah, ça stoppe le temps, ok. Ça ralentit le temps quand on peut contrer en fait. Enfin, non, quand on fait le contre. Parce que moi j'avais surtout peur de... que j'ai pas le temps en fait. Mais en fait si. C'est fait exprès. Ok. Comme dans le boss en fait. Comme pour le boss. Je vous retrouve de l'autre côté. Oh vache. Putain, on a perdu un peu de vie là. Allez, c'est reparti. Continuez à avancer. Ouais, genre là, ça ralentit le temps. Oh les dégâts, ah oui. Il est où? Vous voyez, c'est ça qui faisait. Tout est noir et tout, c'est sympa. C'est pour ça que je préfère les elfes noirs. Ça fait moins mal aux yeux en fait. Ah ben putain. Quel combat. Peut-on partir à présent? On y est presque. Par ici. Ah ouais, on y va. Ouvre l'accès, je te prie. Eh ouais, il est vénère, tire. Pas content. Oh. Oh merde.
la guerre, Atreus. Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Le secret de Gros a terminé. Ah, ça doit être... Mimir, il en parlait, le... Un truc dans le sable, ou je sais pas quoi. Inutile de se presser. Nous devrions explorer ce désert. Ouais. Ça marche. Écoute, je sais qu'on ne peut pas se fier à la prophétie, mais nous ne devons pas ignorer ce qu'on a vu pour autant. Nous ne l'ignorons pas. Nous en parlerons lorsque nous serons chez nous. Trouver l'emplacement sur la carte. En quête de paix, la bête ne trouve que la guerre. Son dernier souffle rendu au-dessus du sable, son dernier repas, de l'or au-dessous des eaux. Ça a l'air d'être une gueule de bestiole, en fait. Pour l'instant, j'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Tu... Vraiment ? Oui. Bien. Bon, d'accord. Très bien. Oui, je te suis. Comme il est super content. Attends, par contre, j'ai vu une saloperie volante, là. Merde. Oh putain, ça va être relou. Quand tu veux, tu reviens. Oh la Mimir, vache! Le nain de la statue géante. Qui était-il? Alvis Pied de Roc, gardien de Svartalfheim. Il a mis son intelligence et sa force à profit pour emprisonner plusieurs des créatures les plus dangereuses du royaume. Voilà, ça m'énerve. On devrait pouvoir accéder aux terres brûlées là-haut, à condition de pouvoir passer cette substance elfique. Ah, on se souvient de ces choses. C'est bien le territoire des elfes noirs. Ouais, on peut le couper, je crois. Ah oui, non, on fait les couper en une fois. Tout en une fois, tu ouais. Te souviens? Oui, oui, oui. Ça marche. Ok. Ça sert à quoi, du coup? Ah, ça peut protéger ça. C'est cool, c'est vraiment... Ouais, non, même eux, en fait, ils vous font vraiment sentir comme si vous étiez... Vous avez fait, en fait, ces événements il y a plusieurs années. Parce que pour eux, c'est... Je crois qu'il s'est passé 2 ans. Je crois bien. Pour nous, c'est 4 ans, du coup. Mais du coup, c'est pareil, c'est vraiment pareil, c'est cool. Bon, faut que je m'occupe de cette toile. Chasser un bon nombre d'oiseaux. Je me demande s'il faut nous rendre à l'arbre corbeau. Ah. Bonjour, récompense. Voyageur. Atreus a entendu des cris de douleur dans le désert. Au cœur d'une tempête pareille? Impressionnant. Tu connais bien Alfheim, pas vrai? Tu n'as pas une idée de ce que ça pourrait être? Désolé, mais non. Les elfes et moi... Eh bien, disons que tout se passe mieux lorsqu'on ne se croise pas. La substance elfique est... Trop gluante à mon goût. Bonne chance dans vos recherches. Bouchez-vous les oreilles avec du tissu pour empêcher le sable d'y pénétrer. Ne dites pas non avant d'avoir essayé. Secret des sables. On va faire ça. Je ne pensais pas te trouver ici, Sindri. Tu supportes ce sable? Oh, je ne crois pas si bien dire. Mais Brock étant banni d'Alfheim, c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement. Pourquoi Brock a été banni d'Alfheim? Oh, c'est-à-dire que... je sais pas si... Bien, sais-tu ce qu'est une Noken juteuse? Non. Grâce à Brock, les elfes le savent. C'est quoi une Noken? Non. Ah, on a récupéré une flamme de glace. J'imagine que c'est sur le boss, j'ai pas fait attention. Yes, let's go, 25 et 40. La hache est de plus en plus puissante. J'en ai besoin. Ok, le bois de pierre, laisse tomber, trouvera jamais. Bois de pierre aussi, ouais, non, on peut pas aller plus haut que ça pour le moment. Métal travaillé.
Alors, c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de... On doit faire beaucoup de... D'attaques, là. De... Enfin, non, de... d'interruptions, là. Grâce au renouvellement à chaque interruption. Pas si c'est vraiment... utile pour nous. Le accès de rage à chaque parade, c'est genre on a juste à bloquer ou il faut vraiment faire une parade au bon moment, maintenant que j'y pense. L'armure c'est pareil. Ouais. Pas grand chose pour le moment. On peut peut-être retourner au corbeau, comme il a dit Mimir, et voir la nouvelle partie des... Enfin le coffre, ça doit être une deuxième partie de... je vais y arriver, de l'armure. Mimir, tu disais que l'âme de Fenrir allait rejoindre la lumière d'Alfheim. C'est parce qu'il était un loup, n'est-ce pas? Exact. S'il avait été un dieu ou un humain mort au combat, une Valkyrie l'aurait emporté au Valhalla ou à Folvanger. S'il avait été un dieu ou un humain mort hors du champ de bataille, il aurait été envoyé à Helheim. Mais Fenrir était un loup. Son âme rejoindra donc les autres à Alfheim. Comme celle de mère. Oui, comme celle de ta mère. C'est compliqué leur bordel. Les animaux ils vont d'un côté, les gens qui meurent en dehors du champ de bataille vont d'un autre, et les gens qui meurent dans le champ de bataille vont aussi autre part. Et ça ils en avaient parlé dans le premier, les Valkyries viennent chercher les âmes et tout ça. Alors, fais voir un peu. Je peux te forger de nouveaux objets. Non, tu mens, je sais que tu mens. Arrête. Comme le père de tout, nous avons quitté l'arbre. Le père est devenu sage. Et nous, esclaves. Nous avons quitté l'arbre. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? J'ai l'impression que Odin les force, en fait. Si elles disent qu'elles sont devenues esclaves. Ah. Ainsi, détruire les corbeaux libère leurs esprits. Ah voilà. À la bonne heure. Libère. Ça les libère du joug d'Odin en tout cas. Ouais, bien ce que je pensais. Alors, armure. Donc maintenant... Ah tiens, niveau 4. Ah! Ah! Augmente les soins des pierres de guérison et de la rage et de l'équipement. Attends, si je mets ça... et ça... Ah merde, mais je suis déjà plein. Est-ce que ma rune va me redonner plus de rage? Ouais, pas ma rune, mais mon truc, mon talisman. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ah non, je l'ai mal lu en fait. Augmente les soins qui proviennent des pierres de guérison, de la rage et de l'équipement. D'accord, donc on régène plus en, avec les, le soin avec le soin automatique de la rage en fait. Ah ok, ça... Ouais, ouais, ça peut... Bah le problème en fait c'est que c'est niveau 4 quoi. J'avoue qu'en défense, force et tout ça, et chance, ça augmente bien. Et on passe au niveau 3 en plus. Ouais, maintenant on est au niveau 3.
Ah, j'aime bien parce qu'ils nous disent, genre prêt, il y a écrit prêt, j'avais pas fait attention à ça, pour pouvoir l'augmenter. Bah, j'avoue que le l'étourdissement, c'est bien. Bon, maintenant, j'arrive à mieux gérer l'étourdissement. On peut prendre ces deux parties, comme ça, ça augmente les soins des pierres, de la rage et tout ça, et garder celle-là. Parce qu'on... Bon, déjà, parce qu'on n'a pas le torse, de 1, de... voilà. Mais de 2, c'est parce que c'est celle partie qui, en fait, qui nous donne des soins. Petit, arrête un peu de grandir. Tu vas finir par me complexer. T'as quelque chose pour nous, Brock ? Ouais, parce que c'est ça qui nous donne du soin, en fait. Le, quand on agrippe quelqu'un. Donc du coup, en théorie, ça va augmenter. Un besoin spécial ? Ça va augmenter aussi le soin. Qu'est-ce qu'il te faut ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait utilisé une pierre. Ouais, non, là ça peut être pas mal. Là ça peut être pas mal. Là ça peut être pas mal. Vulnérable. Ok. On a juste perdu un... Et je rembourse pas. On a juste perdu un peu de vie maximum en fait. Je crois qu'on a perdu quoi, 15, 10 de vitalité. On a gagné en notre stat et puis on a le soin supplémentaire. Le secret des savants. On est reparti là. Le canyon ou le strond? Le secret des stables. C'est là le canyon? Oui, les canyons, oui, c'est ça. Ah là, on a un bon combo d'armure, je crois. On retourne à Alfheim? Oui. Il nous reste beaucoup à faire là-bas. La créature que tu as entendue dans les terres brûlées, ne serait-ce pas là une intrigante distraction? Si. Merci de me croire. Ça me va. C'est pour ça que c'est bien. En fait, en plus, l'équipe, elle marche vachement bien entre elles. Genre là, on parle de retourner à Alfheim pour faire la quête secondaire et tout ça. Donc ils en parlent. C'est vraiment cool. Donc les trois, ils ont vraiment une super entente à chaque fois. On a vraiment l'impression de faire partie d'un groupe qui va à l'aventure. Ouais, on va utiliser ça. Et voilà mes deux clients préférés. Et Mimir. Content de te voir. On va utiliser ça pour le moment, pour l'équipement. Par contre, je... Alors la rage. Ah, on peut. Alors qu'est-ce qu'on... Alors est-ce qu'on veut balancer 8000 dedans? Amélioration réduit le coût en rage par de chaque attaque. Je pense. Hein. Je pense. Mais ça fait quand même une différence. Ouais, je pense. Parce qu'après, il y a les reliques aussi qui sont intéressantes. Genre, ça par exemple, je pense qu'on va l'améliorer. Améliorer augmente la quantité de rage remportée. Donc ça, c'est pas mal, on va avoir plus de rage. Mais je crois que... Après, peut-être qu'on va trouver mieux, c'est ça le truc. Mais la rage, c'est quelque chose qui va rester avec nous tout le long, donc... Voilà, autant la finir. Très bien. Ah oui, tiens, Atreus, c'est vrai que j'avais un peu zappé le fait que t'aies des habilités. Atreus peut donner des coups de bouclier rapide à un ennemi infligeant d'importants dégâts d'étourdissement. J'ai vu que maintenant, il fait d'autres attaques. Hein. Il fait ça hein, en combat. Hein. Donc c'est comme si... maintenant, il a les habilités en plus, en fait. Il a les habilités que quand on le contrôle est solo. Donc ça, c'est bien. C'est quoi ça? Achever un enchaînement père et fils active une invite qui permet à Atreus d'utiliser une corde pour approcher d'un ennemi et effectuer un puissant coup final. Ah, ok. Les expériences soniques provoquées par Atreus infligent des dégâts soniques aux ennemis à proximité. Ça, c'est vachement bien. Ouais, le truc sonique est vachement utile. Alors, est-ce qu'on a évolué là-dedans? Il nous reste 1600. Je crois qu'on va garder ça pour, comme j'ai dit, pour la relique. Ouais, la relique.
Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que si on commence à s'aventurer dans le désert, on va jamais s'arrêter. Donc autant le faire la prochaine fois. Comme d'hab, c'est top. Ça marche très bien. Le jeu est vraiment cool, l'aventure est vraiment cool. Les combats et tout, c'est bien. Je commence à mieux maîtriser et tout, vu qu'on a plusieurs différentes habilités. Nos armures sont sympas. Les runes. On n'a pas beaucoup de runes d'attaque avec les différentes armes. Mais ça marche bien. Donc, ouais. À la prochaine. Ciao, ciao.